Florian? Non, je me souviens pas, Tu te souviens le jour où on était au gymnase, le type qui s'entraînait à côté de Castrovilla? Eh bien, c'est lui. Ce mec frappe fort et il est en forme, il a hâte de se battre, il est jeune, on va lui donner une opportunité. Pourquoi pas se battre contre lui? Bon, écoute, je viendrai te voir et on en parlera. Bon, tu le sais maintenant, c'est bon. Parce que s'il met pas KO Pembele dès le premier round, je suis sûre que tu vas lui montrer tes jolies pas de danse, hein, n'est-ce pas, ma belle? Et les pas de danse, on va les reprendre maintenant, Antonio. Allez, viens. Ouais, viens, faut vraiment que j'y aille. Pourquoi, Antonio? Allez, viens, on reprend. Mets-toi de ce côté-là. Prêt, c'est parti. Et 1, 2, très bien. 1, 2, 3, 4, esquive. Esquive et va en arrière. Esquive. Bien. Très bien. Esquive et attaque, oui. Très bien. En avant. On doit pas remarquer que t'es aussi raide qu'un tronc d'arbre. Et en arrière, esquive. Esquive. Et esquive, oui. Tu vas devoir m'inviter à danser. Ah oui? Prépare-toi à tomber amoureuse. Ah mais regardez-le, monsieur est humble. Écoute, nous autres habitants de la côte, on danse même quand on dort. J'aimerais bien voir ça. Ah oui? Ah oui. Là. Mais regardez qui est là. Ravi de vous voir. Bonjour. Ça va, monsieur? Merci de nous avoir invités. La fête est vraiment super. Merci à vous d'être venu. Eh, mais dis-moi, c'est une super cravate que t'as là. Où tu l'as trouvée? Je pourrais te la prêter. C'est vrai, elle est belle. Merci beaucoup, oui. On danse? Allez, t'attends que je te prête mes chaussures? Allez, allez, donne ton Quel sac. Quel prétentieux. Oui, s'il te plaît, tiens-le-moi. Attention, hein. Ah oui? Alors, comment Très ça bien, va? Et toi? Très bien, Tant merci mieux. Beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait très plaisir. Ah... Oh, je te le dis, mon vieux, j'ai faim. Je vais commander du pot-au-feu avec un gros poisson. Non, avec non, ça, non, non, non. C'est trop bon, ça. Et avec un grand yuka. Tabaco, mon vieux, le yuka, non, c'est un plat, c'est trop bon, c'est sérieux. Quoi, ça? Tu vas pas commander ça, mon pote. Écoute, toi, ce que tu vas commander, c'est du poisson avec une salade. Hein? Tu dois faire attention à ce que tu manges, ok? Tu peux pas manger comme un ogre. Oh, laisse-moi manger, mec. Et écoute, désolé de te dire ça, mais en plus, tu vas devoir prendre très au sérieux tes cours de danse. Comme ça, tu vas pouvoir anticiper les mouvements de ton adversaire et savoir comment réagir. Non, mais Tabaco, sérieux, laisse-moi manger. Je suis un homme qui mange, moi. Toi, tu me demandes de réduire, mais en fait, tu... Ah, tiens, voilà. Hein? Tu m'écoutes même pas. T'es amoureux ou quoi? Hein? Eh bien, c'est ton prochain adversaire, Antonio. Faut bien qu'on sache quelque chose de lui. Marie-toi avec, alors. Bon, tu sais quoi? Mange et puis va te reposer. Avec tes allers-retours Barranquilla, Cartagène, Cartagène, Barranquilla, t'es de mauvaise humeur. Et écoute... Il faut que tu gagnes ce combat. Entre autres parce que tu me dois de l'argent, non? Juste un peu d'argent. Adieu, maman. Fais attention à toi. Carlina! Où tu vas? Pourquoi tu t'en vas comme si tu allais faire quelque chose de mal? Maman, pourquoi t'es réveillée? Change pas de conversation. Tu vas faire quelque chose de mal? Non, maman, pour qui tu me prends? Tu comptes pas retourner à Caracas, n'est-ce pas? Tu repars chercher Antonio? Oui, maman. Je retourne à Caracas. Adieu. Voilà. On prend un verre? Invite-moi à danser plutôt. Ah oui, je pensais que tu me demanderais jamais. Ah? Pardon, messieurs. Ah.
Bon alors, parle-moi de Ray, allez. Ray est juste génial. Il a une telle expérience. Chaque jour passé avec lui, j'apprends quelque chose. Et t'as appris l'anglais? Pas trop compliqué? Ah, je m'améliore. Oh, et Antonio? Je l'ai pas vu depuis New York. Il est parti dans son pays. Pour un tournoi local avec Tabaquito. Comment il va? Bon, écoute, je vais te dire, moi je connais pas grand-chose de ce mec-là, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que Mercado parle tout le temps de lui au téléphone, tout le temps. Ce type est un grand boxeur, et le jour où il s'apercevra de son potentiel, personne l'arrêtera. J'espère. T'es venu me voir pour provoquer Jérôme ou quoi? Non, je ferai jamais ça. Vous me donnez une mauvaise réputation, dites donc. Elle est justifiée. Et vous avez dit que vous aviez rien avec lui? Ni avec lui, ni avec personne. Je suis seule. Oh, et en parlant de ça, avec Carlotta alors? Vous êtes ensemble? Pas la peine de vous inquiéter pour Carlotta, elle est entre de très bonnes mains. Ah oui? Croyez-moi, cette femme, dès qu'elle a eu l'opportunité, elle m'a laissé pour un autre homme. Ah, j'espère. T'as vraiment pas de chance, toi. Je vais aller te trouver un sorcier ou un chaman pour qu'il te purifie et t'enlève les mauvaises ondes. Pour ma malchance, ne vous inquiétez pas, parce que... La chance va tourner en ma faveur dans peu de temps. Ah oui, et comment tu sais ça? Du moins, c'est tout ce que j'espère. J'aimerais vous demander si je pouvais rester ici. Ici? 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 Ah, ici, ici, non. Par contre, ici, tu peux rester. Seulement si tu paies à temps. Et si tu traverses pas de l'autre côté de la ligne, là, car je veux pas de meurtre chez moi. Je veux pas non plus. Écoutez, mais si vous n'avez rien à faire, on peut recommencer ce qu'on faisait avant, si vous voyez de quoi je parle. Non, mon chou. Ça, tu peux l'oublier. C'était juste ton jour de chance. Mais ça ne se reproduira plus jamais. Ciao. Très bien. Je vais devoir faire un effort pour l'oublier. Comme toute bonne équipe professionnelle, il nous faut notre marraine, non? Oui! Alors, c'est parti, on va voter. Qui vote pour notre fille numéro 1? Faites du bruit pour elle! À présent, qui vote pour notre très jolie fille numéro 2? Faites beaucoup de bruit pour elle! Et pour terminer, qui vote pour notre fille numéro 3? N'en dites pas plus, notre gagnante indiscutable est la fille numéro 3. Félicitations, Aurora Valencia, tu es la marraine des moutons de l'Occident. Ah, merci beaucoup. C'est bien joué. Merci. Tiens le plus fort. Bonjour, bonjour. Eh, hey, bonjour, Carlotta. Quelle surprise, qu'est-ce que tu fais ici? JSPAO n'est pas ici. Ah, je crois pas l'avoir vu arriver, il n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Il n'était pas venu s'installer ici? Mais non, le mec vient juste ici pour travailler. Je lui dis quoi? Rien. Et ne lui dis surtout pas que je suis passée par là, d'accord? C'est un abruti et je n'ai même plus envie de le voir. Ok, très Pardon. Bien. Excusez-moi.
Carlotta, mon trésor! Alonso Fraser! Peppermint, mais comment tu vas, hein? Bien, et toi, comment tu te portes? Bien! Tu es de retour à Caracas? Oui, mais juste quelques jours. Après, je retourne à New York. Mais toi, alors, dis-moi, quoi de neuf dans ta vie? Figure-toi que j'étais à la pension et je t'ai pas vu. Pour être honnête, ça me manque tous tes petits plats. Ah, t'es mignon. Beaucoup de choses ont changé ici. Oui, ça, je l'ai remarqué. La pension est devenue un désastre. Dis-toi qu'ils ont même divisé la maison à cause d'un problème entre Jérôme et Fiorella. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, ils ont même mis une ligne jaune sur le sol. Jérôme a pris quelques meubles et a gardé la cuisine, et Fiorella, elle a ses affaires. C'est vrai, ça? Oh là, t'es tombée du lit? Non. En fait, tu vois, j'ai fait un cauchemar horrible. Ah oui? Qu'est-ce qui se passait? T'étais amoureuse de monsieur et vous vous mariez? Ah, non, bien pire. J'ai rêvé que j'étais la marraine d'une équipe de baseball. J'ai fait le même cauchemar que toi. Tu plaisantes. Toi aussi, t'as rêvé que t'étais une marraine? Hé, t'es rigolote aujourd'hui. Oui, mais attends que je te raconte. Je disais, j'étais la marraine d'une équipe de baseball et tout allait très bien. Mais l'homme qui m'accompagnait m'a laissée toute seule avec des étrangers, tu vois? Waouh. Non, je pensais que tu t'amusais. Oui, je m'amusais. Mais pour être honnête, je me suis beaucoup plus amusée quand on a dansé tous les deux. C'est ce que t'as aimé le plus? Eh bien, globalement, je dois dire que j'ai tout aimé. Mais je pense qu'on a passé une bonne soirée, non? Oui. Bon, écoute, Cristobal, ce que je veux te dire, c'est que j'espère que ça ne te dérange pas qu'on m'ait élu marraine pendant la soirée. Non, non. Pourquoi ça me dérangerait? Tu es une belle femme, hein? D'accord, oui, merci. Hé, les gars! Merde! Salut, mes amis! Oh non. Écoutez-moi, entraînez-vous dur, hein. Allez, à plus tard. Bien sûr. Non, tu sais comment ça fonctionne avec moi, justement. Ah non, 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 bien sûr, tout est prêt. Je suis sérieux, moi, bien sûr. Voilà, parfaitement. Bon, écoute, je vais te laisser. D'accord. On parle plus tard, je t'embrasse. Salut, ouais. Ah, ça s'arrête jamais, j'ai beaucoup de travail, moi. Tu sais ce que c'est, non? Alors, que me vaut cet honneur? Bon, bienvenue déjà. Eh bien, je vous rends visite, vous savez bien comment ça se passe. Et comment il va, le vieux? Comment ça va avec Jeff et le vieux Maxwell, hein? Comment ils vont, tout cela? Tout se passe très bien, Mercado. Ray, c'est un vrai maître. Et Jeff est un vrai gentleman, exactement comme vous, hein. Et justement, je voulais vous parler. Ouais, dis-moi. En fait, je voulais m'assurer que tout ce qui existe au niveau contractuel entre vous et moi est bien réglé. Car il me reste un combat avant d'aller chercher le titre mondial. Pour moi, c'est très important que tout soit résolu parce que vous savez bien que c'est très petit, le monde de la boxe. Ouais, t'as raison, il est petit, c'est vrai, très petit. Mais t'inquiète pas, voyons, c'est à moi que tu parles, franchement. C'est moi. Mais tu sais quoi, je trouve ça très intéressant. C'est pas tous les boxeurs qui pensent comme ça. Le fait que tu veuilles aller récupérer le titre mondial, ça, c'est de la maturité. Eh, merci, mon pote, vraiment, merci. Et puis en plus, tu crois quoi, sérieux? L'avocat de Jeff m'a mis à sec avec cette histoire, mais bon, tu sais que tu parles avec des gens sérieux, n'est-ce pas? Mes contrats se font qu'à l'oral, ouais. Comme des hommes, et voilà, sans problème. Oui, donc je demande, tout va bien? Bah oui, je viens de te dire que tout va bien, mon pote. Tout va bien, y a pas de problème maintenant. J'ai une faveur à te demander. Si t'arrives à gagner le titre, t'accepteras mon challenger, hein? Ça me va, ok. Ouais, t'es d'accord? Oui, d'accord. Bon, très bien. Comme des hommes. Exactement. Voilà. Bambele! Aïe, aïe, aïe. Bordel. Bah alors, Antonio? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est quoi le truc que t'as dans la main? Eh ben ça... C'est un foulard que tu vas mettre pour travailler sur un exercice de mémoire qu'on va faire maintenant. Allez, lève-toi. Lève-toi, debout, allez. Mémorise ce que tu vois là. Oh, tabaco, qu'est-ce que tu me fais encore faire? Écoute, le mental et la mémoire sont fondamentaux pour un champion. Il faut que t'arrives à connaître le ring comme ta poche. Ah. Alors fais-moi plaisir et avance. Comment ça, avance? Avance, avance. Allez. Monte ta garde, allez.
Mais qu'est-ce que tu fais, là? Regarde, remets-toi là. Retire ton truc et regarde bien. Regarde bien. Ouais, je regarde bien. Maintenant, on va travailler sur ce que je viens de te dire, ok? C'est fondamental. C'est pas suffisant de voir l'autre, il faut aussi savoir comment te déplacer. Allez, avance. C'est bien. Qu'est-ce que t'attends? Qu'il te frappe? Merde. Ah, bordel. J'ai mal au ventre, j'ai des douleurs depuis ce matin, c'est horrible. Ah, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'apparemment, hier soir, t'as mangé beaucoup, non? Les serveurs au restaurant m'ont raconté. Je sais pas ce qu'on t'a dit, mais j'ai rien mangé. Si, t'as bien mangé, ils m'ont dit que t'as pris 2 poulets, 8 pains de maïs, 20 patates, ouais, plus ou moins, bon, et j'ai pas bon, fini, arrête. Et de yucca, c'était pas assez encore. Me rappelle pas tout ce que j'ai mangé, ça me donne des nausées. Ah ouais? Et dis-moi, c'est quoi qui te donne mal au ventre? Les poulets, les patates ou le yucca? Hé, hey, Aurora. Oublie pas qu'aujourd'hui, on te prend en photo pour l'article sur les moutons. En photo? Pourquoi moi? Comment ça, pourquoi toi? C'est toi la marraine, non? Mais cette histoire, c'était sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. Qu'est-ce que tu croyais? Mais dis-leur que je suis journaliste et parraine de beauté, je sais pas, moi. Attends une minute, je ne vais certainement pas leur dire ça. Impossible. C'est une vraie opportunité pour qu'on puisse savoir ce qui se passe au sein de l'équipe et au sein de la Ligue. Bien entendu, ça veut pas dire que tu abandonnes la boxe, hein? Et j'en avais pas l'intention. Oh, c'est très bon. Merci. Super. Ah, eh bien, c'est une journée pleine de surprises. Je te préviens, si tu es là pour voir ton idiot de petit ami, il se trouve de ce côté de la maison. Non, je suis venue voir personne. Je suis venue récupérer mon travail. Eh bien, c'est la même chose. Fiorella est de ce côté de la maison, non, donc non, si non, tu non, veux non. parler avec non, elle, tu moi, dois... je veux plus travailler avec Fiorella. Moi, je veux travailler avec toi. Il paraît que t'es en train de créer ton restaurant. Et ne viens pas me dire que t'as pas besoin d'une cuisinière parce que je n'y crois pas une seule seconde. Oh, mais... comment j'ai fait pour oublier ce regard, ces beaux yeux de félin indomptable. Alors tu veux venir travailler avec moi ici? Mm-hmm. On va mettre Fiorella en colère. Mm-hmm. Oui? Oui. Tu veux vraiment m'aider à faire la cuisine même si elle nous insulte jour et nuit? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Très bien, alors je t'engage. Avec toi ici, ça va être très drôle. Bon, viens m'aider. Très bien. Allez, viens, Antonio, lève-toi, dépêche. Bonjour, les garçons. Bouge vite, allez. Alors, est-ce que vous êtes prêts à danser? Bethania, ça va? Tu vas bien? Bethania, donne-moi juste une minute avec Tabaquito, s'il te plaît. Encore? Très bien. Hé, hey, Tabaco, mon vieux, tu me respectes pas, là, mon pote. Ça me sert à rien, ça, hein? Allez, allez, arrête d'être sérieux. Mets-toi dans la tête que tout ça, ça va te servir, je te le dis, crois-moi. En plus, elle danse très très bien. Regarde, regarde, regarde-la. Regarde-la, Non, mais c'est du n'importe quoi, mec, t'en as besoin pour ton entraînement. Regarde, 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 arrête. Regarde, faut bouger son tronc. T'es prêt, Antonio? Ouais, bien sûr. Dans ce cas, on commence une bonne fois. Non, mais non, c'est pas la peine de faire ça, je te jure. Si, si comme c'est la ça, peine, non, mon pote. Allez, si, vraiment en arrière, le bassin vers l'arrière. Pousse-toi. Oui. C'est ça. Et regarde, droite, t'es aussi raide qu'un arbre. Gauche, bouge ton bassin un peu. Droite. Détends-toi, oui, détends-toi. Bouge ton bassin. Bravo. Voilà, c'est bien. Eh, bien. Vous faites quoi, là? Laissez-nous un peu d'intimité. Eh, les gars, les gars. Pourquoi vous vous arrêtez pour garder? Faites bouger vos muscles un peu. Reprenez l'entraînement. C'est comme ça que vous faites en Colombie? Bravo. Continuez. Ouais, ouais. Droite. Ouais, droite. Droite, ouais. Gauche. Mm-hmm. Très bien. Ouais. Oui. C'est ouais, bien. Tu te détends. C'est bien. Continue. Allez, allez. Je suis actuellement en présence d'Aurora Valencia, la nouvelle marraine des moutons de l'Occident. Dis-moi une chose, quelle chance est-ce que tu donnes à l'équipe pour la première saison de cette année? Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, eh bien, elle est un peu timide et un peu nerveuse, mais elle va se relaxer, c'est sa première fois. J'ai une autre question, ça fait combien de temps que tu es journaliste sportive? Mais à quoi est-ce que tu joues? Tu sais très bien que je suis journaliste de rien. Hé, hey, petite, il va falloir que tu me donnes au moins une réponse intéressante. On a besoin d'un bon article pour la revue, tu comprends?
Eh bien, alors pose-moi une question à laquelle je peux répondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Aurora? Alors? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Continue ce que tu fais. Je vais aller interviewer le champion. Alonso? Bon. Hé, hey, t'es prête? On va faire la photo. On va la faire et après, on reprend l'interview. Allez, debout, debout. Bon, dis-moi, comment ça va avec Ray? Mon pote, tu me crois si je te dis que ça fait au moins 100 fois qu'on me demande ça depuis que je suis de retour au pays? Eh bien, c'est normal de poser cette question, mais si tu veux, on change. Tu peux me dire ce que t'as appris pendant ton entraînement avec Ray? Et qu'est-ce que t'as amélioré? Quelque chose de différent dans ta carrière? Alors, pour dire vrai, je peux pas parler du négatif. Parce que je pense pas avoir l'expérience nécessaire pour parler en bien ou en mal de son entraînement. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis que je suis avec lui, je suis un boxeur plus ambitieux et je pense pouvoir aller plus loin. Tu es en train de me dire que pour le titre mondial, tu es prêt à te battre contre Nicolas Rocher. Crois-moi, ça fait très longtemps que je veux enseigner à Nicolas ce que c'est que d'être un vrai champion. Laisse-moi noter cette phrase. Il va enseigner à Nicolas ce qu'est un vrai champion. C'est bien. D'accord. Ok, ciao, à plus tard. Oh! Oh! Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait sursauter. Ah, ça te fait peur de danser alors? Je viens te chercher. Non, ça me fait pas peur de danser, mais en fait, je suis désolé que Tabaco t'ait fait venir ici. Pour faire ça, désolé. Mais désolé pourquoi? T'inquiète, on va pas perdre notre temps. Bien au contraire. Je t'ai changé, non? Avec la danse. Avec la danse, tu sais, pour apprendre à coordonner, à esquiver tous les coups, n'est-ce pas? Sur la droite. Bien sûr. Sur la gauche. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi voir comment tu danses. Hey, mais regarde-toi. Waouh! Fais un tour et comme ça. Et on finit comme ça, pas vrai? Allez, Pambélé, allez, Pambélé, Pambélé, Pambélé. Comme je t'ai enseigné, comme je t'ai enseigné! Allez, en avant! Attaque-le, monte! Monte ta garde! Te laisse pas faire!
Sors des cordes, allez, allez! Allez, continue! Conserve une nouvelle fois son titre de champion, l'intouchable, la légende, mesdames et messieurs. En cette magnifique soirée de boxe, le drapeau argentin est haut dans les airs parce que le champion mondial de la catégorie welter est Nicolas Rocher, mesdames et messieurs. Maintenant, tu me crois pour le swing? C'était génial de voir la tête de ce type quand t'as changé le rythme. Oh, bordel, Tabaco, t'es vraiment très moche. Ah ouais? Et toi, tu penses vraiment que tu t'es bien battu, hein? Écoute, même si t'as gagné et que c'était bien, l'entraînement doit continuer. Alors fais attention, ok? La victoire, c'est tellement agréable, j'adore vraiment ça, et puis j'y suis habitué, donc... Gagner encore et toujours, c'est une habitude pour moi. Regarde. Lis. Alonso, s'il vous plaît, une déclaration. Messieurs, on se calme. Alors, monsieur Alonso Peppermint Fraser, dites-nous, comment avez-vous débuté dans la boxe? Eh bien, j'ai commencé la boxe à Caracas, une grande lignée de boxeurs. Et je me rapproche toujours plus du titre mondial. Avec Ray, j'apprends beaucoup. Maintenant, je veux défier l'intouchable Rocher, s'il a pas peur. Fraser ose convoiter notre titre. Qu'est-ce que tu penses de ce gamin? C'est Ray Maxwell qui l'entraîne, il doit avoir un truc. Il parle beaucoup, et il veut vraiment te défier. Je vais vous montrer que le surnom qu'il a, il est passager. L'Argentin doit monter sur le ring et montrer de quoi il est fait. Et c'est ici que je vais enfin lui faire goûter la défaite. Ce petit gamin, c'est vraiment un idiot. Non, t'as vu ça? Je vais le laisser dire tout ce qu'il veut, ce gamin. Il se fatiguera de raconter ses bêtises. Et on lui laissera une chance d'avoir la ceinture. C'est un boxeur de troisième zone. Même si c'est Maxwell qui l'entraîne, un combat pour le titre contre lui, c'est une victoire assurée. Y a tout, voilà. Fais attention avec ça dans la rue. Vous en faites pas pour ça, je viens de la rue, je sais comment défendre mon blé. Bon, je dis ça juste parce que... Hey, tu vois? Tiens, regarde ça. Bolivar, puis Santander, c'est de beaux billets. On m'a tout donné en une fois cette fois. Sérieux, Mercado devrait apprendre. Parce qu'à chaque fois qu'il faut payer, lui... Antonio... Il prend tout son temps à chaque fois, c'est une blague, je te jure. Oui, je suis au courant, mais il faut que tu comprennes que tous les événements sont pas égaux. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est très important pour nous ici, à la Ligue de l'Atlantique. On est très fiers parce qu'on paye directement, mon pote. C'est comme ça, ici. Vous savez quoi? Ce genre de choses, faudrait leur apprendre, gringo. Ouais, parce que ces types, pour payer, c'est une vraie blague, mon pote. Il faut signer là, faire je ne sais quoi, il faut aller ici, oui, sérieusement. Je comprends ce que dit Antonio, mais je vois aussi que le monsieur est très occupé. Alors on va vous D'accord, laisser. Très bien, merci. Ouais, je suis occupé. Allez, merci au revoir. Beaucoup. À une prochaine fois. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir.
Ce que vous m'avez demandé, madame. Ah, merci. Aurora. Ça alors. Laisse-moi te féliciter, c'est vraiment un très bon article, Cristobal. Regarde, waouh. Ah oui? Mais pourquoi tu me parles sur ce ton? Ça va pas? Ton? Quel ton? J'ai dit quelque chose qui ne va pas? Non. Ça me semble clair que tu travailles seul. Et cette histoire d'équipe, c'est juste de la théorie. Écoute, t'étais déjà très occupée avec tes photos, je voulais pas t'interrompre. Ah, merci beaucoup, vraiment. C'est vrai, merci. Mais tu sais quoi? T'aurais dû m'interrompre, parce que tu sais très bien quelles sont mes priorités. Eh bien, apparemment, tes priorités sont pas très claires. Et je vais pas être derrière toi, je suis pas ton père. Je ne veux pas non plus que tu sois mon père. On est une équipe, oui ou non? Il me semble. Alors arrête de jouer à la reine de beauté et fais ce que t'aimes faire. Tu disais pas que t'aimais ce travail? Fais-le. Patricia, excuse-moi, viens, assieds-toi. Merci. Donia Fiorella? Donia Fiorella? Donia Fiorella? Caroline? Tu fais quoi ici? Comment ça, ce que je fais ici? Je vis ici, j'ai laissé mes affaires. Eh bien, ici, t'as tout laissé sauf de l'argent, ma belle. Et d'ailleurs, j'espère que tu l'as parce que ça fait beaucoup de jours que t'as pas payé. Ça va pas? Prends tes affaires et sors de la chambre. Désolée, mais je ne peux pas. Écoutez, attendre. Donia Fiorella, j'ai pas encore l'argent maintenant, mais si vous me donnez quelques jours, je le trouverai. Vous voulez bien? Écoute, mon chou, tu vois cette ligne ici, cette ligne jaune. Ici, je suis en guerre avec Jérôme. Et c'est le meilleur qui l'emporte. Et tu comprends que je vais pas perdre à cause de toi. Alors soit tu me donnes l'argent, soit tu t'en vas, mon chou. Donia Fiorella. T'es vraiment un idiot, gamin. Comment est-ce que t'as pu dire ça dans un journal? Pour vous, je peux pas avoir le titre mondial? Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que ça, tu vois. T'as pas un palmarès suffisant pour pouvoir y prétendre. On va travailler, toi et moi. Tu comprends? Je comprends pas, Ray. Qu'est-ce qu'il y a? Il acceptera pas mon défi? C'est pour ça, justement. Tu sais, il veut conserver son titre le plus longtemps possible, tu vois, et il est sélectif en ce qui concerne ses adversaires. Quand t'es champion du monde, t'essayes de te trouver un combat qui comporte aucun risque, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense. Oui. Ouais, ben t'as pas vraiment l'air d'être convaincu, gamin. Enfin bref, Jeff va envoyer un courrier officiel. Et on verra bien ce qui se passe à ce moment-là, ok? Mais je peux l'assommer. Écoute, il faut qu'on travaille sur ta technique offensive, parce que ce petit morveux est vraiment intouchable. Tu sais que c'est pour cette raison qu'il est justement surnommé l'intouchable. Monsieur, tournez à droite, s'il vous plaît, tournez à droite. Bon, voilà, champion, merci pour tout. Je pense pas pouvoir vous repayer pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Champion, tu sais très bien que cette maison est la tienne, et aussi celle de ta famille, ok? Merci, madame. Bientôt, on aura assez d'argent pour s'installer dans le coin. On sera peut-être même voisins. Ah, et maintenant, tu frimes parce que t'as de l'argent, hein? Prends soin de ta mère. Ouais. Fais attention à toi. Bon, on y va. Bouge pas d'ici, maman. Portez-vous bien. Ah, ma petite. Sois prudente, ok, Roulia? Roulia, va avec maman. Occupe-toi d'elle. Merci pour votre aide, Roulia. De rien. Porte-toi bien. Allez, prends ta valise et rejoins maman. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Dis au revoir, maman. Allez, maman, reviens. À bientôt et merci. Merci, au revoir. On y va. Au revoir, madame. De l'eau avec de la camomille, ok? Donne-lui-en. De la camomille. Allez, c'est parti. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, je peux regarder, s'il vous plaît? Oui, allez-y.
Fait divers. Une danseuse et la nouvelle entraîneuse du Vénézuélien Cervantes. Je peux avoir 5 exemplaires, s'il vous plaît? Il y a le compte, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Entrez. Wow, Antonio. Cette maison est superbe. Hein? Elle est vraiment belle, cette maison. Bon, maman peut dormir dans cette chambre. Julia et Edgardo dans celle-là. Et nous, ici, dans la salle, Tonio. Ah oui, et depuis quand c'est toi qui commandes? Très bien. Non, madame. Il y a 2 chambres, alors certains vont dans l'une et les autres dans l'autre, et on n'en parle plus. Non, mais moi, je veux rester avec Tonio. Ah, mon fils, la maison est vraiment très belle, n'est-ce pas? Regarde, ici, on peut mettre le petit hôtel. Et ici, on peut mettre quelques meubles, d'autres là. Et ici, on met la table à manger avec des chaises, n'est-ce pas, mon fils? Oui, maman. Et c'est la cuisine, là? Oui, maman, c'est la cuisine. Regardez, ici, sur le mur, on peut mettre une étagère pour mettre les plats et les casseroles, n'est-ce pas? Et les petits pains? On peut faire les petits pains, maman. Ah, les petits pains! Ici, on va être bien, maman. Et toi, alors, Tonio, tu vas dormir où? T'es tout silencieux, tu dis rien. En fait, le truc, c'est que je vais pas pouvoir rester ici avec vous. Mais comment? Et pourquoi, ça, Tonio? Eh bien, parce que je dois partir pour continuer à m'occuper correctement de vous. Comment vous croyez que j'ai eu la maison? Tonio, mais si tu es venu ici pour te battre, ça veut dire que t'as plus besoin de t'en aller. Ferme ta bouche, Julia. Tu dois comprendre qu'Antonio doit partir pour travailler, ok? Non, Antonio, je veux pas que tu t'en ailles. Moi non plus, je veux pas, Julia, mais je suis obligée d'y aller. Je dois continuer à vous envoyer de l'argent pour que tout aille bien et que vous ne manquiez de rien. Vous aurez pas à travailler, vous aurez pas faim et il y aura pas de problème comme à Shambaku. Faites-moi plaisir. Et dépensez ça bien. Quand j'étais au collège, on vivait même pas avec la moitié de ça. Compris. Bon, c'est bien. On a besoin de cet argent pour acheter ce qui est primordial maintenant. Hé, hey, regarde-moi. Te mets pas dans cet état-là, Julia. Écoute, tu es une jeune femme. Alors tu vas lever la tête et tu vas étudier et te préparer, d'accord? Comme ça, tu ne recevras pas autant de coups durs dans la vie que moi, Julia. J'ai fini, j'ai fini! Viens voir par là! Regarde ça, regarde ça! On goûte! Alors, c'est bon? Wow! Délicieux! Ah, c'est bien! Et regarde, je l'ai préparé! Que c'est? Ah, goûte! Voir. Et ça, je l'ai préparé pour le mettre dans le riz. C'est bon, mais le sel. Ah oui, le sel, j'oublie du tout sel, le temps le plus sel. De sel. Plus de sel. Mademoiselle? J'ai pas le choix. J'ai pas d'argent pour payer Doña Fiorella. Tenez, prenez non, ça. Don Nelson, je ne peux pas accepter ça. Merci Allez. Beaucoup, mais je ne peux pas l'accepter. Vous n'êtes pas responsable de mes problèmes. Écoutez, mademoiselle, c'est pas beaucoup. Mais ça peut vous aider à tenir quelques jours. Maintenant, personne n'est responsable des problèmes que nous avons. Vous comprenez? Le plus important est de ne pas se laisser aller. D'accord? Je vous remercie. Mais je pense pas que Doña Fiorella acceptera. Eh bien, vous savez qu'il existe une autre option. Si vous allez voir Monsieur Jérôme, je suis sûr que lui, il vous acceptera. Pensez-y. Merci.
Écoute, ce gamin, malgré tous les problèmes qu'il a eus, et il y en avait pas mal, il a mis tout son cœur dans le combat. Il a été super. C'est bien, mais attends, viens là. Il était là-bas pour draguer ou faire danser son adversaire, c'est quoi ça, hein? Regarde ça. Eh ben, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mercado? Le gamin, il se bat très bien sur le ring, il est bien, mais il doit bouger son bassin. Je lui ai trouvé une danseuse et à partir de là, les choses se sont enchaînées naturellement. Me mêle pas. Attention, parce que ça pourrait nous faire perdre un combat, tu comprends? D'accord, mais le travail du bassin, alors? Et le travail du lit. Bon, venons-en, en fait. On a un boxeur ou on n'a pas un boxeur? Bien sûr qu'on a un boxeur. Il faut l'entraîner, le peaufiner plus que jamais. Parfait, alors il faut commencer à programmer des combats. Il faut commencer à se faire du blé, mon pote. C'est ça, quand est-ce qu'il arrive? Hein? Il reste là-bas ce soir et il arrive tôt demain matin. Bon, je vais te dire ce qu'on va faire. On doit l'afficher au monde entier. Bim bam, conférence de presse. Une conférence de presse avec tout. T'appelles pour voir si... Mais attends, est-ce que tu m'écoutes? Je te dis qu'il faut le peaufiner, ok? Ouais, c'est bien, mon cher Tabaco, mais c'est ton boulot. Le mien, c'est de ramener de l'argent. Il faut que les médias parlent de ce gamin, en bien ou en mal. Qu'ils usent de l'encre pour Cervantes, c'est ça qui ramène de l'argent, tu suis? Voilà. Dis-moi, et il sort quand, le petit? Je vais devoir l'appeler parce que je sais pas. Appelle, vas-y. Alors, tu dois partir si rapidement? Ouais, pas le choix. Écoute, en fait, j'ai déjà acheté les billets et je dois partir ce soir pour être prêt pour le voyage, tu vois. Je ne savais pas que la vie d'un boxeur était aussi exigeante que ça. Non, mais tu sais, rien n'est facile dans cette vie, mon trésor. Oui, mais c'est pas si difficile non plus. Mais bon, tu es né pour ça et tu le fais très bien. Ah ouais? Oui. Eh bien, en fait, je pense être dans un très bon moment de ma carrière et je dois m'entraîner dur et me préparer pour faire bien les choses, tu comprends? J'arrive. Va là-bas. Qui c'est? Monsieur Cervantes. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça dit, monsieur Cervantes, ouais. Demain, tu as une conférence de presse avec tous les médias. Bonne nuit et bon voyage. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, mais il faut que je m'active, parce que je dois pas manquer ça, tu vois. J'y vais. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'aéroport si tôt? Viens, on devrait plutôt profiter tous les deux. Ah non. Bethania, s'il te plaît, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le droit à une dernière danse?